Ça y est, c'est le départ. Au revoir, Ascension. Je suis parti. J'ai appelé le port contrôle. J'ai dit que je partais. Ils ont été super gentils de me laisser rester ici pour réparer tout ce que j'avais à faire. J'ai monté le génois aussi, parce que du coup, j'avais refait les roulements de leur rouleur. Mais il y avait trop de vent pour le monter mouillage, donc j'ai dû attendre de partir. Tout seul, la galère. Hein. C'est comme quand j'ai dû le remonter en mer en partant de Namibie. Bon ben voilà, ça y est. Là, je suis à 5 nœuds, direct cap sur Natal. Donc c'est parfait. Si ça reste comme ça, au top. Cette fois, il n'y a plus d'arrêt possible. 1250 000, direction Brésil. Accord les dauphins pour le départ. J'ai de la chance moi avec les dauphins. Sous la barre des 1000 milles, plus que 993 000. Nous sommes le jour numéro 2 et j'ai presque fait, donc ça fait 46 heures que je suis parti et on a fait 260 000, donc ça fait presque 6 000 moyenne. Donc j'ai 5 nœuds 7 de moyenne depuis que je suis parti. Et puis là, la mer est très belle, il y a 3 mètres de houle et par contre ça déferle le pas, la houle est très longue, c'est plutôt agréable. Et là, un bon vent bien portant. Un peu trop portant encore à mon goût. J'aimerais qu'il y ait quelques 10-15 degrés un peu plus sud-est-sud. Ça m'aiderait à faire un cap plus direct sur Natal. Là, je fais environ 10-20 degrés sous Natal. Mais bon, c'est normal. C'est parce que le vent va descendre. Et il s'est remis un peu est. Donc ça m'oblige à descendre un peu. Mais le vent va bien retourner. Donc je pourrais repartir après un peu plus nord. Le premier grain en 3 jours. Est-ce qu'il va nous tomber dessus? Ah, une frégate. Dès que je vois une frégate, c'est qu'il y a du maï-maï. Regardez, elle survole de très haut comme ça. Elle se rapproche. Elle flaire le poisson. Un truc que j'aimerais trop voir, c'est les orques. Ça fait 10 ans que je rêve d'en voir. J'ai jamais vu d'orques de ma vie. Pourtant, avec tous les milles que j'ai fait, j'ai jamais réussi à en voir. Mes parents, ils en ont vu quand ils sont passés l'année dernière. Après, il y en a partout dans le monde en général, mais bon. C'est pas évident d'en voir, donc j'ouvre l'œil. Je scrute l'horizon. Voir des oiseaux à bord en mer, comme ça ils peuvent se reposer. Sa garagne, le refuge des petits naudis abandonnés. C'est un petit peu relevé et on a une belle mer avec je dirais 15-16 nœuds. Là, il me reste 700 000 à parcourir, donc ça devrait faire 5 jours. Mais là le vent va commencer à se lever un peu, ça va monter à 18-19 nœuds. Donc je devrais être à 7 nœuds là, parce que tout à l'heure il y a eu un moment un petit grain, il y a eu 19-20 nœuds.
J'étais entre 7, 5 et 8. Donc ça devrait aller plutôt vite. Bon voilà, bah, j'occupe mes journées. C'est marrant parce que maintenant j'ai pris une sorte de routine. Je sais pas, c'est trop bizarre, ça m'a jamais fait ça. Là. Le matin, je me réveille vers 9h. Je vais me faire mon petit Nescafé au lait. Ensuite, je vais faire un petit câlin sticky. Je mets la musique et puis. Alors, c'est marrant parce que je passe une grosse partie de ma journée à juste penser. Alors, ça m'occupe, je pense. Je réfléchis à des idées de vidéos, je réfléchis à des innovations que je vais faire sur le bateau, aux projets futurs dans les Caraïbes. Alors, ça m'occupe, je dirais, au moins la moitié de la journée, juste penser. Bon, après, je fais des petits travaux d'artisanat. Hier, j'ai sorti la Dremel et fait 2-3 trucs. C'est marrant aussi parce que je deviens créatif en cuisine. Moi qui suis vraiment nul en cuisine, hein, certains doivent le savoir. Maintenant que j'ai plus rien à grignoter, en fait, j'ai plus de petits gâteaux, de crackers, j'ai plus de pain. Enfin, j'ai plus rien à grignoter vite fait. Donc maintenant, je suis obligé de faire cuire un truc si je veux manger. Bon, après, c'est pas plus mal hein, d'arrêter un peu les cochonneries. Du coup, ça m'a obligé à être un peu plus créatif. Ça me plairait presque de cuisiner. Je veux pas dire ça me plaît, mais ça me plairait presque. Voilà. Vous voyez, hier j'ai assemblé mes défenses de facochère que j'avais récupérées en Tanzanie. Je les ai nettoyées et assemblées. Peut-être un pendentif, ça pourrait être pas mal. Et j'avais récupéré aussi cet ormeau en Afrique du Sud. Donc là, je suis en train de le poncer pour qu'on puisse voir la nacre. Vous voyez, parce que quand on voit la nacre, c'est super joli. Ça donne des reflets bleu, vert, violet. C'est une belle journée dans l'océan Atlantique. Il y a une quantité de poissons volants, c'est impressionnant tout ce qu'il y a. J'en vois partout tout le temps en grosses bandes. Ouais, c'est la loose d'être un poisson volant. Hein. La nature leur a donné des ailes pour qu'ils puissent échapper aux prédateurs marins. Donc les maïmaï, les espadons et tout ça. Et c'est la proie favorite des oiseaux aussi. Donc voilà, qu'ils soient dans l'eau ou dans les airs, ils sont foutus. Et puis alors faut vraiment être un poisson volant malchanceux pour tomber sur un voilier en pleine mer qui vient de se cracher sur la coque et qui vient de tomber dans le cockpit. Hein. Ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Qu'est-ce que ça pue, c'est... Oh là là, c'est le pire poisson au niveau de l'odeur. Le pauvre petit a terminé ses jours sur le pont de Sagarani. Non, pourquoi? Alors on va faire un truc, parce que Sticouille, il bouge pas son cul de la journée, et quand je l'appelle, il ne vient pas. Alors on va voir si un petit poisson va le réveiller. Bon, en fait, il a senti déjà l'odeur à distance. Qu'est-ce que c'est ça, mon Sticouille? Qu'est-ce que c'est ça? Ce petit poisson? Ce petit poisson volant? Non? Ça t'intéresse pas? Bébé Maï Maï, je sais pas si on peut le voir. Il est dans la mousse. Reviens petit, reviens, tu es. J'ai un mignon petit Maï Maï qui me suit. La canne à pêche, donc on dirait qu'elle a spoté quelque chose. J'ai de la chance cette fois, les panneaux solaires sont tout le temps au soleil. Une grande partie de la journée, donc j'arrive à bien charger. Nous avons un petit problème avec l'artimon. J'ai deux pièces de la voile qui sont décousues. Donc c'est pas déchiré, c'est décousu. Ouais, bah va falloir descendre ça.
La balance est sticky. Bon, c'est bien beau de pêcher du poisson, mais qu'est-ce qu'on en fait du poisson? Eh bien, on le mange. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis votre cuistot et je vais vous préparer du marlin bleu au lait de coco. Peut-être avec un petit peu de moutarde par-dessus. Alors, il nous faut un joli morceau de marlin que l'on a décongelé au préalable. Et on le découpe en jolies petites dindes comme cela. Alors, je propose qu'on y ajoute un peu d'épices. Moi, je suis très nul pour épicer, donc je vais me prendre ce que j'ai sous la main. Et on va faire un petit refri avec ça. Bon là, je vous cache pas que filmer en même temps de cuisiner, ça rend pas super bien. Hein. Donc cuisiner juste, ça va, mais filmer avec, donc je filme pas trop longtemps. Alors j'ai ajouté un peu de miel par-dessus ça pour donner un petit goût sucré. Donc le miel va fondre, il va s'incruster dans les pores de la peau du poisson. Putain ! Cuisiner, cuisiner du poisson, ça fait pêcher ! Ah, j'étais sûr que ça allait m'arriver. Pendant que je cuisinais, pendant que je faisais mon petit tuto marlin bleu, je me suis dit, il va y avoir un poisson qui va venir mordre juste pour me déranger mon truc. Bon bah, c'est une bonne nouvelle, hein. Un maï maï en plus. Bon, il est pas très gros, il y a 4-5 repas dessus. Mais bon, le maï maï c'est super bon, donc voilà. Bon là, je vais pas remettre la canne parce que le marlin et ça. Bon, là du coup, j'ai vachement de place au congèle quand même, mais c'était un peu chiant à remonter et découper là avec les vagues. Donc, Bon, du coup, revenons-en à nos moutons. Je voulais faire un truc tout joli dans une assiette bien présentée. En fait, j'aurais dû foutre ça dans un bol, ça fait tout crado. Par contre, c'est super bon. Bon, ne vous fiez pas aux apparences, hein, ça avait pas l'air très appétissant. Et puis, dans ma tête, ça avait un meilleur rendu. Mais bon, avec la houle et le poisson qui est arrivé, ça m'a un peu foutu en l'air mon truc. Mais c'était super bon. Bon, les grains, ils continuent de me casser les couilles. Donc, j'ai décidé de prendre une initiative. Et donc, pour la première fois, j'utilise la baume de la grand voile comme tongon. Parce que donc vous le savez peut-être, j'avais déjà essayé d'installer un tongon aux Maldives. Mais le problème c'est que c'était super lourd, c'était compliqué à installer et puis ça venait toucher un des hauts bancs. Ici, celui-ci. Là, donc ça n'allait pas. Donc là ce que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai ramené la baume sur le côté, le plus que je pouvais. Et j'ai tendu la deuxième écoute du génois au bout de la baume avec une poulie supplémentaire que j'ai ramenée ici et sur le winch ici. Voilà, donc si maintenant je veux le retirer, j'ai juste à lâcher celui-là et j'ai ma deuxième écoute qui va remettre le génois comme il était. Donc c'est très rapide à retirer et j'ai toujours mon écoute aussi de grand voile qui retient la baume derrière. Et là du coup, parce que du coup, comme les grains ils me prennent tout le vent après et ça se met à balancer et tout, ben mon génois, il est bien tendu, bien sur le côté. Et quand il revient à... Ben quand le vent est moins fort ou quand le bateau roule, le génois, lui, ne vient pas claquer contre les haubans. Bon les amis, c'est la fin du pilote auto, il a rendu l'âme. J'ai entendu le bruit qu'il faisait quand un engrenage se mettait à déconner. Bah, je me doutais, voilà, de toute façon ça pouvait pas tenir hein, indéfiniment. Mais j'avais un doute quand même sur cette pièce en plastique qui va derrière les engrenages en métal. Donc elle était quand même déjà bien bouffée, elle allait pas tenir encore très longtemps. Bah voilà quoi, hein. Donc c'est arrivé à 600 000 du Brésil, en pleine nuit évidemment. Donc je me suis mis à barrer de minuit jusqu'à 8h du matin. En plus ça faisait déjà 20h que j'avais pas dormi parce que justement ça m'inquiétait. J'entendais qu'il faisait un bruit, du coup j'arrivais pas à dormir. Je dormais dans le salon pour pas écouter. Et au matin je me suis dit bon, bah, je vais le démonter et puis je vais essayer de voir si je peux le réparer. Alors je l'ai démonté. Entre temps il fallait que j'essaye de barrer. Alors j'ai essayé de caler la barre comme je pouvais, essayer de trouver un angle devant pour que le bateau tienne au mieux. Je l'ai démonté et puis donc évidemment ça venait de cette pièce en plastique qui va derrière. Je me suis dit bon ben je vais tenter de faire une réparation avec de l'époxy. Ah oui, parce que du coup ma réparation époxy sur les engrenages en métaux ça n'a pas bougé, ça c'était nickel.
Mais voilà, c'est cette pièce en plastique qui s'est bouffée. Et puis voilà, ça je m'en doutais. Donc j'ai tenté une réparation époxy, ça m'a pris la journée à faire ça, parce que bah, il fallait mettre l'époxy, laisser sécher, une fois que c'était bien sec, usiner tout ça, donc poncer, refaire les dents, donc c'est quand même un travail assez minutieux, sachant que les dents font 1 mm, donc aller travailler 1 mm d'époxy dans 3 mètres de vague et 20 mètres de vent, avec un bateau qui tire pas le cap, et en plus de ça, tenir la barre, donc ça m'a pris voilà, la journée, et au coucher du soleil, j'ai réinstallé, et bah, le pilote se mettait à fonctionner. Alors je suis vite allé me coucher pour essayer de dormir et ça, au moment où j'allais m'endormir ça a lâché, donc il a tenu une heure. Oh là là, la nuit tombée. Du coup bah, j'ai décidé de, là c'était pas possible, ça faisait plus de 40 heures que j'avais pas dormi. Donc j'ai mis le bateau à la cape, génois à contre et artis m'ont complètement lâché. Donc ça m'a permis de, bah du coup ça me permettait d'aller dans la bonne direction à 5 nœuds quand même, sans avoir à tenir la barre. Et le bateau tenait parfaitement le cap. Donc c'était pas trop mal. Mais bon, le génois à contre ça tirait vachement sur les haubans, j'aime pas trop ça. Voilà, bah ça m'a permis de dormir, donc j'ai passé une bonne nuit, et le lendemain je me suis dit non, c'est pas possible. L'océan ne mourra pas comme ça, le pilote ne mourra pas comme ça, je vais pas me laisser faire. L'idéal, ça serait carrément que je refasse une pièce entière, dans une matière qui serait assez costaud. Donc bah, il y avait soit du PVC, mais un gros bloc, j'en ai pas, ou du téflon, et du téflon j'en ai pas non plus. Alors il a fallu que je cherche une idée, et du coup je me suis dit, ah mais dans les poulies, il y a ces, donc ce qui permet de faire passer le bout et qui permet qui roule. Donc il y a ces parties dans la poulie. Et c'est du téflon, ou une matière similaire, assez très costaud. Et si je récupérais ça, ça pourrait être à peu près la taille de la pièce que je dois remplacer. Ça pourrait faire l'affaire. Mais bon, après, c'est résigner la pièce de zéro. Donc refaire le nombre de dents parfaites, avec le diamètre parfait pour que ça tombe derrière dans les engrenages, c'est une question de millimètre près. Hein. Je suis pas droit à l'erreur. Je dis non, allez, j'essaye. Donc j'ai pris une pièce dans une poulie, sachant que j'en ai plein. Et puis voilà, 6 cloches, 6 améthaux, Dremel, et voilà. Donc j'ai percé ça, ça m'a pris environ 3 heures à faire la pièce. Et après, évidemment, usiner tout ça encore dans 3 mètres de vague et 20 nœuds de vent, parce que ça faisait 2 jours que ça soufflait pas mal et que c'était fort. Tout ça, le bateau était à la cape en même temps. Et voilà, j'ai réinstallé ça pareil au coucher du soleil. Et ça s'est mis à fonctionner. Bon, je me suis dit, bon bah voilà, hein, Inch'Allah, on verra si ça marche, parce que la précédente n'a pas marché. Et bah là, ça fait 24 heures que le pilote tient avec ma pièce en téflon. Donc vite du bois, je touche du bois, il y a du bois partout. Voilà, ça fait 24 heures. Et puis bah si ça lâche, je me remettrai à la cape, parce que ça marchait bien comme ça. Mais sinon, voilà, moi je me laisse pas faire, on m'aura pas comme ça. Hein. Premier cargo en visuel. Est-ce que ça va passer? C'est bon, ça passe largement. Et ça y est, l'océan Atlantique est officiellement traversé.
Voilà les amis, je suis enfin arrivé. Oh quel bonheur. C'est génial de mettre l'ancre et puis ça bouge plus du tout. J'ai pas besoin de surveiller ou quoi que ce soit, le stress est complètement redescendu. Bon, il me reste encore pas mal de choses à réparer avant de pouvoir repartir. Mais bon, voilà, maintenant je vais pouvoir enfin me reposer, prévoir les plans pour les futures navigations. Bon, normalement, c'est le prochain pays, c'est Guyane française. Mais là, on va profiter du Brésil. Bon, j'espère que ces vidéos de la traversée vous ont plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la découverte du Brésil.